Re-moi, bah aujourd'hui je fais une deuxième vidéo parce que j'ai reçu une commande aujourd'hui que j'ai bien appréciée. C'est de la part d'une dame qui fait des trousses de beauté, des patchwork. Bon, bref, ça s'appelle une petite abeille. Je me suis commandé, moi, une trousse. Elle est trop mignonne. Ah, je sais ce que je vais mettre, hein. C'est mes vernis parce que j'en attends une vingtaine. Alors, je vous montre. Céline qui raconte sa vie. Alors, c'est fait main, là à Marseille. Les finitions sont super sympas. J'ai marqué une petite abeille 100% fait main, made in Marseille. Je sais pas si on le voit. Voilà, je recule un peu. Que ma caméra, c'est une quick cam pro, mais elle est pas aussi nette que certains. Et derrière, c'est super mignon aussi, regardez. Des petits points. Elle était enveloppée dans du papier rose comme ça. Voilà. Il y a la petite carte, l'atelier. C'est une petite abeille. De toute façon, elle est sur Facebook, hein, ça vous intéresse. Elle est à Marseille. Elle fait des tissus, des trousses, des fleuries comme ça, des trousses pour crayons, pour beauté, des sacs, des porte-monnaie, c'est super mignon. Elle m'a fait un petit mot pour me remercier de ma commande, fait main. Et avec ça, j'avais un petit cadeau qui était super bien emballé, marqué une petite abeille. Bon, c'est un peu déchiré, je suis désolée. Derrière, il y avait ce que j'ai bien aimé, une petite fleur. Et dedans, il y avait un petit bloc-notes que je lui en remercie parce que c'était pas une obligation de m'offrir un petit cadeau comme ça. Mais ça fait toujours plaisir. Bon, bref, j'ai fait une vidéo parce que j'ai apprécié le geste de cette vendeuse qui est très sympathique et qui fait des jolis trucs. Je vous conseille rien que de regarder au moins. C'est une petite abeille. Sur Facebook, cette petite abeille, le logo, c'est une petite abeille blanche et grise. Hein, vous ne devriez pas la rater. Bon, j'arrête pour aujourd'hui, hein, parce que. Mais c'est pas fini, il y en a d'autres qui vont arriver. Allez, à plus, bisous.